Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode Carrière Manager avec le PSG. Les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc les gars, dernier épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Victoire face à Strasbourg, face au Stade Rennais. D'ailleurs, le PSG dans la vraie vie joue ce soir quand je tourne la vidéo. Défaite 4-2 face à Newcastle. Les gars, on avait dans la vraie vie, le PSG a perdu 4-1 comme vous savez. C'était vraiment catastrophique, donc ouais. Bon, là on va se reprendre, match face à Milan au San Siro en plus là-bas, donc ça va être très très chaud. Match face à Brest, bien évidemment, à l'extérieur aussi, et puis on finira par deux matchs à domicile contre Montpellier et encore une fois le Milan AC. Donc au niveau de la Ligue des Champions, il n'y a que Newcastle, deux matchs, deux victoires. Nous, on a 3 points avec Dortmund, Milan, ils sont derniers. Donc, mais bon. Ça veut rien dire, les gars. Ils sont super forts. Regardez leur équipe, elle est magnifique. Donc, les gars, let's go direct. Premier match de la vidéo. Juste, on voit que Marquinhos, les gars, c'était trop le dernier match. Kimpembe va passer titulaire dans la carrière. Et Warren, qui est un peu fatigué, on va faire jouer Florian Wirtz à sa place. Juste parce qu'il est un peu fatigué. Hop, et on va mettre. Ah non, oui, voilà, il y a Barcola ici quand même, mais oui, on va mettre Barcola parce que Matistel, il est KO, mais Matistel, les gars, superbe recrue. Allez, nos joueurs qui s'échauffent, surtout Donnarumma, hein, qui revient au San Siro. Ça va être un match pas facile pour lui, mais bon, il devra être à la hauteur. Let's go, premier match de la vidéo, du coup d'envoi donné au San Siro. Raphaël Leao, attention à lui, hein, l'un des meilleurs joueurs côté milanais. Allez, c'est parti, Ousmane. Ok. Oh. Bien joué, Donnarumma! Quelle parade! Derrière, c'est sauvé, mais c'est n'importe quoi derrière. 1-0, but de Raphaël Leao, les gars. Purée, j'ai trop la rage. Donnarumma, il avait fait une bonne parade, mais pourquoi il n'a pas capté ou. Bien joué, Nuno. C'est magnifique. Avec Randal Kolo Muani en touche. C'était pas mal, mais Mike Maignan, les gars, c'est très fort au goal. Il était attentif en plus sur ce coup-là. Donc, bien évidemment, il a arrêté la frappe. Hop, on va décaler Hernandez. Hakimi. Pour Kylian. Kylian, non, poteau, il était hors jeu, purée. Allez. Pas de but, pas de but, pas de but sur le corner. Wirtz. Bien joué Donnarumma. Et oui, il y a faute hein, normalement là. Et du coup, les gars, les deux frères Hernandez qui s'affrontent aussi là. J'avais pas capté, mais. Les deux sont sur la pelouse. Bien joué Kylian Mbappé. On le voit plus que dans la vraie vie. Ça fait plaisir. Oh non, Nuno, heureusement. Et heureusement que le joueur milanais il fait un mauvais choix derrière. On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Pourquoi Nuno, il en a deux là? Oh. Il y a un joueur de Milan qui a dézoné ou quoi? Attention, il reste 3 minutes. Hernandez face à Hernandez et Théo qui passe. Ok, bien joué Lucas. Bien joué, super. Allez, contre-attaque pourquoi pas avant la mi-temps. S'il y a du temps additionnel, et il y en a. Allez, Ousmane, face à Théo Hernandez, l'un des meilleurs latérales gauche du monde. Et oui, il récupère la balle, mais. Oh! Oh non, les gars, Kolo Muani qui était à deux doigts de mettre la tête là. Dommage, purée. Bon, on fait une bonne première mi-temps, mais il en faut beaucoup plus. Hein. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, let's go. Deuxième mi-temps, les gars. Bien joué, Vitinha. En plus, il n'y a pas faute. Kolo Muani, Ousmane. Kolo Muani, Vitinha. Boum, la frappe pied gauche. Mais arrêté par Mike Maignan encore une fois. Très très bon gardien d'ailleurs. Ancien gardien du PSG. Et Donnarumma, ancien gardien du Milan AC. Les deux, ils affrontent leur ancien club. Ah, purée. Ok, ça fait une petite combinaison. Bien joué, Nuno. Attention à pas. Wow. Mais là, il tombe. Il y a jaune directement. Monsieur l'arbitre, c'est hyper dangereux comme tacle. En tout cas, Nuno, il continue. Bien joué, mon Nuno Mendes.
Colomwani, Kylian Mbappé, plat du pied, mais bon, Mike Maignan, il a déjà anticipé, les gars, il est trop fort, Mike. Allez. Corner, il est bon. Purée, encore une bonne parade de Mike Maignan. Non, il est trop fort, les gars. Ah, vraiment là. Bien joué, Ousmane. Florian Wirtz, Hakimi. Oh, c'est perdu, c'est bête. Wesh. Oh là là, les gars, Léao, il était trop fort là, c'est pas normal. Bon, on va tester un truc, on va mettre Mbappé à gauche. Bah, attendez, on va faire entrer Barcola et ici. Oh mince, Mbappé, ici on va faire entrer Ling Kang In, on va faire entrer Mwikele, pas Marquinhos les gars, pas dans ces matchs-là. J'ai pas envie qu'il panique et qu'il nous fasse perdre 2-0. Là on peut encore égaliser, donc allez là, faut tout donner. Ling Kang In avec Ousmane Dembélé, Ousmane, faut pas perdre ce genre de ballon. Il reste 13 minutes, on va les faire ensemble. Wesh! C'est qui dribble comme ça là? Wow! On n'a rien compris. Bien joué Kimpembe. Bien joué Donnarumma surtout. Hein. Deux grosses parades là. Incroyable. 82e, il reste 8 minutes. Le match il est chaud les gars. Oh là là, Kaloulou qui rentre en défense. Non, là ça va être chaud. Barcola. Oui, pour Ling Kang In. C'est parfaitement libéré. Ling Kang In, la vitesse. Mais oui. Ling Kang In. Oh purée, il en pouvait plus, le pauvre. Il était en bout de course, hein, vraiment. Attention. Bien joué. Bien joué. Ah, bien joué ça. Allez, la dernière. Pour Ousmane Dembélé. Mais non, pourquoi FIFA, ils font ce geste-là? Bien joué pour Barco. Non les gars. Oui, Mbappé. Non, corner. Oh là là les gars, il est 5 minutes de temps additionnel. Mike Maignan, il est vraiment trop fort. Ah oui là, ça mérite. Hein. Ça mérite le câlin avec le gardien. Mbappé, mais oui! Boum les gars! 96e minute de jeu alors qu'il n'y avait que 2 minutes de temps additionnel. Merci à monsieur l'arbitre d'avoir laissé autant de temps. Mbappé, les gars, le joueur le plus nul de la tête, je pense, au Paris Saint-Germain, qui nous met une tête vainqueur à la Sergio Ramos. Enfin, vainqueur, non, parce que ça fait juste match nul. Mais une tête à la Sergio Ramos, à la 90e minute de jeu. D'ailleurs, on voit, hein, Mike Maignan, il a hésité à y aller. Très bon corner de la part de Dembélé aussi, les gars. Ok, au moins, on n'a toujours pas. Enfin, on n'a pas perdu le match là. On a perdu en Ligue des Champions, malheureusement, face à Newcastle. Mais là, on est invaincu. On est sur 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Là, face à Brest, les gars, on est 5e en Ligue 1. Faut prendre de la confiance. Let's go. Hein. Ils jouent en loin devant. Voilà. Tac, on va faire tourner. Bien évidemment. Matistel, il est encore KO. Mais il y a un bug là. Bon, Colomani va jouer à gauche. On va faire jouer Gonzalo Ramos. À droite, Barcola, Zaïre Emery avec Endur quand même. Hein. Danilo Pereira. Ici, Kurzawa, il n'y a pas de problème. Avec Mwikele par contre. Hein. Naga, tac. Ah mince. Ouais, non, Naga il peut s'adapter à droite en vrai. Voilà, on va jouer comme ça. On va donner un peu de temps de jeu à Keylor Navas. Et du coup, on va mettre Colin sur le banc. Et c'est parti face à Brest, les gars. Brest, c'est une bonne équipe. Là, on n'a pas la meilleure des équipes. Donc, il va falloir faire très très attention à ce match piège. C'est parti, les gars. Let's go. Coup d'envoi donné. Et maintenant, il faut bien évidemment assurer la victoire. Ok, Naga pour Barcola. C'est bien donné. Barcola, boum en retrait pour Ramos, mais bon, c'est contré. Si, ça va. Bien joué N'Dour, non, toujours pas la frappe. Bien joué, Keylor Navas, magnifique. Allez, corner pour le Stade Brestois. On l'a. Bien joué, Keylor. Bien joué N'Dour pour Colomwani.
un peu compliqué, mais il a réussi à tirer, à bien tirer en plus. Donc corner pour nous. Belle parade du gardien brestois. Et là, la tête de Marquinhos, mais il n'y a pas but, c'est dommage. Danilo pour Barco. Barcola le centre, mais il n'y a personne dans la zone. Ah, c'est dommage, purée. Bien joué, Warren, pour Barcola. Le centre au deuxième poteau, mais il n'y a personne, purée. Non, bien joué, Keylor. Encore une bonne parade. Bien joué, Marquis, derrière le tacle. Il a assuré. Il reste 6 minutes, on va les faire ensemble. Oh là là, les gars, c'est chaud en tout cas. Bien joué, bien joué, bien joué. Oh non, Barco, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Faut juste pas qu'il y ait un trou. Bien joué, Keylor Navas. Il est vraiment fort hein, dans le match là. Première mi-temps exceptionnelle de sa part. Allez, on va même le sortir un peu. On va le mettre en confiance. Par contre, là, ouais, premier poteau, attention. Mais c'est largement à côté. On va jouer ça loin devant. Gonzalo Ramos qui l'a pas, malheureusement. Et du coup, mi-temps ici à Brest, les gars, 0-0. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Merci Keylor Navas, surtout. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. Faut tout donner, là. Non, les gars, sur une vieille frappe comme ça, Brest qui marque, 1-0 pour eux. C'est dommage. Ok. Oh là là les gars, c'est fermé là, on va centrer. Mais malheureusement, on centre pour personne, c'est ça qui est dommage. Bien joué Barco. Oh purée. Bien joué. Allez, ouais, FIFA, pourquoi il me faut pas contrôler le bon joueur là? Wow, les gars, FIFA, ils abusent. Contre-attaque du coup de Brest, il reste 8 minutes. Attention, bien joué Marquis, très très bien joué. Allez là, on était sur une bonne phase avec le PSG. Barcola. Purée, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible les gars, pressing collectif, est-ce que ça va faire un truc? Non, on est juste à la rue. C'est bon, bien joué Marquis. Randal Kolo Muani, les gars, on n'a rien vu de lui. Gonzalo Ramos, j'en parle même pas. Non, les gars, c'est faible. Hein. C'est très très faible. Oh là 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 là. Défaite à Brest, les gars. Je sais même pas c'est la combienième défaite qu'on fait en Ligue 1 Uber Eats, mais c'est énorme déjà. Hein. C'est le pire PSG. Depuis un sacré moment, on est cinquième, trois défaites en 10 matchs, les gars. Non. En plus, je suis obligé de faire tourner parce que sinon les joueurs ils vont être fatigués. Non, les gars, là c'est trop. C'est trop, c'est trop. Tac, lui il est nul. Lui, ça a l'air d'aller. Lui, ça a l'air d'aller également. Lui, oh, très bon. Lui, moi non. Et lui, non. Donc ils vont rester là. Ouais, il serait peut-être bon de modifier surtout ceux de l'équipe. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà basés sur l'énergie. Hein. Puis, ouais, en fait, c'est juste. Ouais, il y en a, ils ont pas d'endurance. Oh là là, si tout se passe bien, le renouvellement de mon contrat à Kylian Mbappé. Pour l'instant, les gars, j'y touche pas à son contrat. Hein. Pour l'instant, j'y touche pas parce que dans la vraie vie, on sait même pas s'il va prolonger. Donc, voilà. Tac, 17 points toujours. Hein. On est bloqué. Là, on accueille Montpellier. Mais bon, attention, parce que dans combien de jours on joue face à l'AC Milan? Tac, dans 3 jours. Donc, ouais, faut faire attention quand même. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Allez, let's go face à Montpellier. Ousmane Dembélé. Ouais, tac, tac, tac. On va jouer. Ils jouent comment, eux? Ils jouent en 4-2-3-1. Ouais, 4-3-3, bah, c'est la compo parfaite. Hein. Garté qui va coller le numéro 10. Donc, let's go, les gars, au Parc des Princes. On retrouve enfin le Parc des Princes, ça fait plaisir. On espère, bien évidemment, une victoire et la première de l'épisode, là. Allez. Randal pour Kylian.
Kylian qui repique, Kylian! La frappe était magnifique, mes poteaux sortants! Aïe 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 aïe! Bien joué Dembélé! Ah, dommage, Kolo! Kylian, 42e minute de jeu, Kylian Mbappé! Boum! Mais oui! Magnifique frappe, arrêtée un peu, mais pas trop non plus, hein. Elle était levée! Magnifique but de Kylian Mbappé, les gars. 1-0 face à Montpellier. C'est parfait, magnifique. Donc, franchement, grosse puissance de frappe et grosse frappe de Kylian Mbappé. Frappe croisée, petit filet opposé. Le gardien qui peut rien faire. Mbappé qui marque un nouveau but. Il est meilleur buteur de la Liga Uber Eats avec, je sais pas si c'est son combienième but, mais en tout cas, juste avant la mi-temps, là, ça fait du bien de ouf. On mène 1-0. Allez, faut continuer, les gars. Faut mettre le 2-0 le plus rapidement, on les domine, hein, ils ont pas d'action. Bon, des fois ils jouent bizarrement, ils font des retours en arrière bizarres, les gars. Nous, faut qu'on en profite. Regardez, là c'est très très bizarre ce que le joueur il vient de faire. Bien joué Hakimi. Et Hakimi, les gars, il défend. J'ai l'impression qu'il y a faute, mais non, il n'y a même pas faute, donc c'est parfait. La Marquis, ce qu'il vient de faire, c'est parfait également. Dembélé également et Kolo Muani également. Ok, action parfaite les gars. Magnifique. 2-0 face à Montpellier. Merci Randal Kolo Muani et Dembélé surtout. Parfait. Et surtout défensivement, Hakimi les gars, il fait un top match. Nuno. Ah les gars, on attend. Hein. Il veut pas nous attaquer, on dirait. Bien joué Mbappé, il s'est bien calé. Ah, par contre, je perds la balle derrière, c'est bête. Magnifique. Magnifique Nuno Mendes. Bien joué Kylian. Pour Randall. C'était pour Ousmane. Pourquoi ça a choisi Kylian Mbappé? Bon, il la récupère, ça va. Mais derrière, on la perd bêtement. Oh non, les gars. Bien joué Warren. Bien joué Dembélé. Le contrôle. Il est parfait. Comment il se l'emmène aussi? Dembélé en retrait. Il y avait Vitinha. Il l'avait vu, mais bon. Ça n'ira pas jusqu'à lui. Ousmane Dembélé qui tire bien les corners. On va en profiter. Ça trouve personne. Allez, reste 2 minutes là. 2 minutes pour mettre un troisième but. Ça serait bien. Oh, Warren, pourquoi pas? Let's go, les gars. But de Warren Zaïre-Emery, la pépite parisienne. 3-0 au Parc des Princes. On a le clean sheet. En plus de ça, on met 3 buts. Ce qui est quand même énorme. Du coup, les 3 points. Ah les gars, ça fait enfin plaisir. Là, on a une bonne équipe première. Vraiment, on a eu l'équipe type. Et ça fait vraiment plaisir à jouer quand ça se passe comme ça. Donc maintenant, comme vous savez, match retour face à l'AC Milan. Les gars, va falloir gagner ce match-là. On a fait un partout chez eux. Chez nous, par contre, faut gagner. Donc, tac, Presnel qui paie. Mais ouais, les gars, je vais modifier un peu l'équipe type. Hein. C'est parti. Tac, au niveau du classement. Oh, Dortmund Newcastle, ils sont égalités. Bon, nous on est quatrième, ça va, mais attention. Déjà, Florian Wirtz, bah, il va être titulaire. Hein. Là, Senso, sa saison, elle est finie, donc voilà. On va mettre Kimpembe, on va juste mettre Hernandez plus côté droit, je pense. Ouais, non, mauvais pied, ouais, c'est Kimpembe qui a le plus d'étoiles, donc voilà. Tac, 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 tac. Bah, là, tout est parfait. Hein. Et Matisse Tel, j'aimerais bien le mettre à la place de Gonzalo Ramos. Mais bon. Bon, là, on va le mettre sur le banc, tiens, face à l'AC Milan, c'est la même équipe à peu près. Tac, tac, et du coup, ouais, Matistel sort le banc, les gars, je préfère largement Matistel à Gonzalo Ramos. Hop, changer maillot, est-ce qu'ils... Non, ils ont toujours pas ajouté le troisième maillot, ok. Donc Milan, ils vont être en blanc, nous, on va être en bleu. Et du coup, c'est parti pour le match retour de phase de groupe. Face à l'AC Milan, au Parc des Princes, justement. Les gars, ça va être un gros match. J'espère la victoire. On a fait un bon match face à Montpellier. Bon, c'est pas du tout le même adversaire, mais bon. Faut gagner. Bien joué, Colo! Superbe la récup. Duel face à Mike Maignan. Et c'est au fond des filets. 5 minutes de jeu, les gars. Erreur du Milanais, hein, vraiment. Le pressing de Kolo Muani lui a mis le stress, peut-être.
Donc 1-0 ici au Parc des Princes, but de Randal Kolo Muani, il est parti le chercher tout seul celui-là et ça fait plaisir. Premier but en 4 matchs de Ligue des Champions pour lui, ça a mis du temps mais bon, la machine est peut-être lancée là. Bien joué Donnarumma! Kimpembe était un peu en retard là, là sur Léao, mais bon, on peut compter sur Donnarumma. Ah, bien joué. Attention juste à pas faire faute. Une faute bête de ouf. Bien joué Hernandez. Magnifique la sortie de balle aussi. Magnifique pour Kylian Mbappé, l'autre côté. Kylian Mbappé qui rentre dans l'axe. Le trou. Kylian Mbappé. Oui, il a touche pied gauche juste avant que Mike Maignan intervienne. 2-0 les gars ici au Parc des Princes. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on fait. Bien joué les Parisiens, la très très belle contre-attaque, ça c'est magnifique. Bien joué équipe Mbappé, parfaite cette tête. Bien joué ça aussi Warren. Kylian Mbappé qui va prendre l'extérieur, qui va rentrer intérieur et qui passe le premier adversaire, le deuxième également, mais pas le troisième, dommage. Attention, Calabria qui va vers le poteau de corner. Ok, quoi? Il siffle faute sur ça. En plus, c'est l'arbitre assistant qui a signalé la faute. Pour moi, il n'y a pas du tout faute, mais bon, bien joué. Et ça va être la mi-temps. Ouais, il va pas laisser la contre-attaque. Ça allait trop vite sinon là. Dommage. Donc, bah, bonne première mi-temps, les gars. Warren, il est fatigué. Il a un carton jaune. On va faire entrer Linkong In à sa place. Et puis un peu plus tard dans le match, on fera rentrer peut-être Barcola et puis bien évidemment Matistel la pépite. Donc let's go, deuxième mi-temps au Parc des Princes, objectif le clean sheet. Bien joué Ousmane. Ousmane au deuxième pour Mbappé, dommage. Bien joué. Bien joué. Randall pour Ousmane pour Linkang In, l'action est légendaire les mecs, enfin légendaire j'abuse, mais elle est tout simplement splendide. 3-0, but de la pépite sud-coréenne Linkang In. 3-0, 55e minute de jeu les gars, je pensais pas que Milan ils allaient être aussi faibles. Hein. Bien joué Mbappé, il a temporisé. Bien joué. Pour Randal Kolo Muani. Bien joué Florian Wirtz pour Randal. Mais oui, les gars, on est en réussite aujourd'hui. Doublé de Randal Kolo Muani. 4-0. Mike Maignan, il est pas hyper fort hein, dans ce match. Donc, bah écoutez, c'est parfait pour nous. Deuxième but pour Randal Kolo Muani en Ligue des Champions. C'est magnifique là ce qu'on réalise devant nos supporters les gars. Allez Hakimi, tu le rattrapes. Tu rattrapes Raphaël Léao. Bien joué Nuno. Wirtz. Il reste 8 minutes les gars, on va les faire ensemble. Bien joué Kylian. Oh là, Randall qui va prendre peut-être le jaune. En tout cas, ça serait mérité, hein, vu le tacle que j'ai sorti. Hop là, regardez l'intervention super propre. Oh non, c'est pas ça que je voulais avec Linkang In, ils abusent. Wirtz. Ok, parfait. Parfait pour Mbappé. Mbappé qui élimine. Mbappé, fin de frappe. Ouais, non, j'en ai fait un peu trop. Victoire 4-0. Au moins, les gars, on a le clean sheet en Ligue des Champions. Let's go, je crois que c'est le premier. Et puis ça fait deux matchs d'affilée là qu'on l'a au Parc des Princes. Une victoire 3-0, une victoire 4-0, franchement c'est magnifique. Donc on revient bien en Ligue des Champions et en Ligue 1. Normalement on est combienième là? On est cinquième. Bon en fait on revient pas super bien. Dernier match de la vidéo face au Stade de Reims, Burkta, Dito, ouais. Ok, il va falloir faire attention quand même. Hop, l'équipe type est fatiguée. On va faire jouer du coup Barcola, Matistel. Tac, 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 tac. On va faire jouer qui ici? Parce qu'ils sont fatigués. On va faire jouer Vitinha. Ouais, ça c'est sûr.
Ici, Marquinhos en 6, ouais, ça peut être pas mal. Endur, encore une fois, franchement, je kiffe Endur. Skriniar, ouais, non, du coup, Marquinhos, il va descendre d'un cran. Et ici, ça sera Danilo. Ici, Mukele, sans souci. Et ici, Sheriff Naga. C'est parti, les gars. Dernier match de la vidéo face au Stade de Reims. Là-bas, j'espère une victoire pour bien se relancer en Ligue 1 Uber Eats. Surtout que là, en plus, ça ferait 3 victoires de suite. Allez. Matistel. Bien joué, Matistel. Endur, faut la mettre au fond. Dommage. 13e minute de jeu. Corner. Vitinha qui le frappe, Marquinhos qui s'envole et Marquinhos qui marque. 1-0, 14e minute de jeu. Parfait les gars. Bien joué Donnarumma et Skriniar derrière, bien joué aussi. Ça atterrit pile dans les pieds de Barcola qui... Oh là 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 là. Bien joué Barco. Hop. Endur le centre, mais il n'y a personne au deuxième, dommage. Non! Belle finition de l'attaquant Rhin de Reims. Et Reinsois, je pense, c'est comme ça. Burtat qui marque. Aïe, 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 aïe. Un partout, bon, on n'aura pas le clean sheet. Mais on se concentre sur la victoire, hein, bien évidemment. Matistel. Ok. Matistel, on n'a pas perdu la balle, c'est magnifique. Vitinha pour Mbappé qui a fait le bon appel. Mbappé, pied gauche, mais c'est catastrophique. Ça doit finir au fond des filets. Il reste plus que 10 secondes avant la mi-temps. 1 minute de temps additionnel, ok. Attention à pas s'en prendre un. Oh, Danilo là. Faut intervenir. Mukele, bien joué mon grand. Mi-temps, voilà. Mi-temps partout au stade de Reims, allez, les gars, normalement on gagne, hein. On est largement plus fort et tout. Je passe pas à côté de cette victoire, c'est mort. Donc allez, on donne tout. Deuxième mi-temps. Bien joué Mbappé. Oh là là. Sur la prise de balle, les gars, on a senti toute la différence. Matistel à terre, mais c'est arrêté par le gardien. Dommage. Ça va dans le sens inverse. Bien joué Donnarumma, magnifique. Continue ton effort, bien joué, ça a payé, ça a payé, ça a payé, ça continue de payer. Let's go. Ouh, j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu très chaud. Bien joué Bradley. Les gars, Bradley Barcola, franchement, il est trop fort. Hein. Même dans la vraie vie, c'est vraiment trop. Bien joué Bradley. Crochet. Boum. Vitinha, mon gars, oui, faut la mettre au fond. Faut mettre un pétard. Vitinha, corner. Vers Marquis, purée, Diouf, la bonne parade, dommage. Oh là là, les gars, on sait plus où mettre la tête, et bien évidemment, il marque. Hein. 2-1 pour le Stade de Reims, non, c'est pas possible, à chaque fois qu'on joue avec l'équipe B, là, c'est vraiment pas ouf. Faut se réveiller, les gars. Purée. Allez, reste 13 minutes, on va les faire ensemble. Non, Mukele. Nakamura, les gars, y'a Oujadja, magnifique. Belle récup. Voilà. N'allez pas se prendre un but par lui aussi. Hein. Enrique, qui est normalement le coach du PSG, mais là il joue à Reims, on ne sait pas pourquoi. Allez, on l'a. Bradley. Avec Matistel. Matistel. T'as encore de l'énergie. Mais oui, mais il tire le maillot, frérot. Encore eux qui a faute là. Bah oui, bien joué Matisse. Hop, hop, la petite combinaison, vous connaissez? Non, moi aussi je la connais pas. Ah, là 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 là. Faut qu'on en travaille des coups francs. Bien joué Mukele, mais je peux pas vraiment tacler. Mais non, Endur, Endur les gars, sur des passes, c'est vraiment nul. Ça se voit qu'il a 69 de général. Dans la vraie vie, franchement, il est réussi, mais là dans FIFA, vu qu'il a des mauvaises notes, entre guillemets, bah, ça se voit directement. Mais sinon, c'est fort les gars. Ok, à côté la tête de Nakamura. Il est meilleur dans la chanson. Hop. Mais les gars, défaite pour nous. 2 buts à 1. Donc, on perd des points encore en Ligue 1. C'est fou tout ce qu'on a perdu comme match en Ligue 1 Uber Eats. On en a perdu 4. C'est énorme, les gars. Donc là, c'est la fin de cette vidéo.
On va se dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de 7 Carrières Manager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ciao!